de l'Élysée dans le cadre de la conférence pour la presse collective 7 février qui est une organisation universitaire, étudiants, société civile et syndicaliste. Bye, je dis à d'abord pour nous fixer position nous sur ensemble crise qui a brassé le pays. Ensuite pour nous non seulement parler de ensemble activité au calendrier d'activité nous avons gagné pour le jour passé et l'autre calendrier d'activité nous projeter pour le jour qui a venu là. Donc, collectif 7 février, c'est une structure, j'aime dire, qui monte en dans l'université, qui regroupe les professionnels et les étudiants. Là-dedans, il y a plus passé en cinquantaine d'étudiants, universitaires, mémorants, et syndicalistes et monde dans la société civile. Là. Je dis à la, tant que le professeur Montferrier devant Takadil, nous avons un pays qui n'est pas ni administré ni dirigé. Donc, nous avons un premier ministre qui est en tête, qui signe plus passé deux accords. Pour aucun résultat. Nous avons un premier ministre qui comporte le président, alors que la sécurité qui est un bien public n'est pas même qu'à Cyril. Ce qui est la première mission de l'État n'est pas qu'à Cyril. Peut-être ça, nous-mêmes, comme étudiants universitaires et avocats de société, nous avons décidé d'abord de fixer position nous sous l'accord 21 décembre, qui est un document qui signé en Conseil des ministres, qui est à la fois en force juridico et politique, mais également qui vote, qui signe un conseil des ministres, j'aime ce dit à Léa, qui publié sur Pigo Journal et PIA et Journal officiel, qui c'est Journal Le Moniteur. Dans le document ça, qui écrit comme ça, gouvernance pour une transition inclusive et des élections transparentes, qui te prévoit en 2023 élections télé organisées. Et document ça m'a parlé là, qui te prévoit également monter à CT qui c'est au conseil de transition dans l'idée pour te freiner vague insécurité qui vient dans le pays. Mais c'est même document ça dans l'article 20 qui prévoit 7 février 2024 de élection de organisant dans le pays qui prévoit fin mandat premier ministre. Donc peut-être ça, moi pense que nos séries d'activités nous avons gagné, d'abord nous faire conférence de presse déjà pour nous fixer position nous. Ensuite, nous avons gagné une marche que nous avons organisée. Et d'autant plus, nous avons gagné une exposition que nous avons faite devant la faculté de technologie vendredi dernier, toujours dans le cadre de la série mobilisation que nous avons projetée pour jouer à Ville-la-Haut. Mais je dis, moi, je pense que tout indicateur rouge n'a pas aucun bilan pour la gouvernance Ariel Henry. D'abord, nous considérons, je dis, qu'il y a gagné plus passé 86 écoles dans Mariani qui ferment. Dans Matissan, il y a 141 l'école qui ferme. Dans Croix-des-Bouquets, il y a 47. Dans Peigné, il y a 57. Jodi à la, nous avons une insécurité galopante. Lem di on insécurité galopante. Nous songeons, jodi à Cafoufeuille, nous songeons Mariani, nous songeons Peigné, nous songeons Croix-des-Bouquets, nous songeons également Belay, pour nous citer ça seulement. Donc, c'est moun qui a couru pour gang, qui a couru pour balle. Moi, je crois également nous gagnons une inflation qui a plus passé 30%. Gagnons également une insécurité alimentaire qui, je dis, arrivé à 50%. Et en 2021, insécurité alimentaire était à 35%. Ça qui veut dire de 2021 à 2024, nous gagnons une insécurité alimentaire qui arrivait à plus passé 50%. Donc je dis, en décembre 2021, le gouvernement Ariel Henry a décidé de monter le prix du gaz. La gasoline qui était montée à 128%, il y a également diesel qui était à 90%, il y a également kérosène à 89%. Nous songeons qui ensemble, colère et décision, ça a été soulevé la caille population. Parce que nous avons estimé que le gaz là, qui sont produits transversales, monter le gaz là, a des conséquences sur tout notre produit. Et pour arriver à peser le peuple, le gouvernement te dit automatiquement gaz a monté après le programme social pour assister les gens et les familles qui sont mal. Mais je dis que ce n'est pas ça qui fait. Nous avons plus de monde qui sont dans le grand goût, nous avons plus de monde qui n'ont pas à manger et le gouvernement n'a pas fait cas de monde. Je dis à là, nous avons l'État qui perd le monopole de violence. Donc, la route nationale est pratiquement pas. Et circulation pas fait librement, c'est qu'à Matissan, c'est qu'à Mariani. Donc nous gagnons l'État qui fait silence sur tout Kassayo. Nous gagnons en 2023, Victor Généus dernièrement saute by chiffre ça dans le Conseil de sécurité de l'ONU, tu gagnes sous Haïti. Il y a plus de 5 000 personnes qui mourent.
même en Ukraine qui gagne guerre pas tout le monde ça qui mourir. Donc nous comprenons je dis à nous en affaire à un gouvernement qui est compétent, qui décrié, qui est populaire, qui pas la population réglée en pour lui. L'en considérer gouvernement Ariel Henry a été monté dans l'idée pour organiser l'élection de 2021 à 2024, aucun même quand le PA n'a pas arrivé à monter. Ça qui veut dire, gouvernement Ariel Henry, qui c'est la troisième version PHTK. Donc, de PHTK à gouvernement Ariel Henry, il n'y a pas aucune élection qui monte. Nous comprenons que nous n'avons pas de volonté pour d'autres pays de monde qui sortent dans l'élection pour diriger. Peut-être ça, nous fixons la position nous, en tant que collectif 7 février déjà. Nous croyons, moment arrivé, ce n'est pas question de démission encore. 7 février, Ariel Henry, peuple là. Parti politique ou syndicaliste doit monter la primature pour aller prendre suppléant dans Ariel Henry qui ne peut pas régler un dans tête pays. Qui joue les jeudi à jeunesse là, c'est Nicaragua, c'est Chili, c'est Brésil, c'est Biden. Donc on paye côté que jeunes qui c'est capacité pays, jeunes qui c'est ressources humaines, à quitter pays, moi je dis qu'il y a venu pour payer ça. Peut-être ça, je dis à nous clé à position nous. Nous t'ai déjà dit, nous avons marché contre toute structure politique. Nous sommes fait la semaine dernière là. Nous t'ai déjà dit, nous avons chita parlé avec toute organisation de base. Nous sommes fait la semaine dernière là. Pour une mobilisation générale dans le pays. Moi, pour samedi, nous prêts pour mobilisation. Moi, pour également, vendredi, et structure là, gagné pour porter une lettre. Donc, moi, pense que nous avons invité la presse pour aller porter une plainte contre Ariel Henry. Nous avons fait nous accompagner d'un avocat. Moi crois également qu'il y a deux mobilisations qui lancent pour dimanche. Moi crois également qu'il y a deux mobilisations qui lancent pour lundi. C'est-à-dire qu'il y a deux organisations, qu'il y a des étudiants, qu'il y a des groupements et droits humains dans la société qui prêts pour faire de sit-in, pour faire de organisation. Nous t'ai déjà dit la première conférence de presse que gagné, n'a supporté tout mouvement pacifique qui arrivait, qui prêt pour chaper, pour chambarder et chavirer le système ça. Chavirer le système.